La victime était venue se baigner dans la soirée du jeudi ici au fleuve Milo. Après s'être plongée, Daouda Kondé n'est jamais ressorti. Ce sont des témoins de la scène qui ont informé le chef du quartier Bricteri. Ce sont les jeunes qui sont venus m'informer de la disparition du défunt. On a mobilisé les jeunes des quartiers Énergie et Bricterie pour la recherche, mais ça n'a rien donné. Hier, on est resté ici jusqu'à 21h, mais on ne l'a pas retrouvé. C'est ce matin qu'on a retrouvé le corps sans vie. Il sera enterré à côté du fleuve. La famille de la victime est encore sous le choc. Son oncle paternel témoigne de son bon comportement dans le quartier. S'il comportait mal, moi je n'ai pas entendu. Et c'est moi de son grand frère, de son papa. Donc c'est moi qui ai tout dans la famille. Au village Soukala. Donc s'il comportait mal, moi je n'ai pas entendu. J'entends que son bon nom. Et le métier qu'on l'a mis, ministère, donc il continue à ça. Et ça m'a touché, mais... Le dessin de Dieu, personne n'a payé. Hein. Selon les informations, chaque année, plus de 5 personnes laissent leur vie dans cette partie du fleuve Milo. Le directeur communal de la jeunesse lance un appel aux parents. Souvent, ce sont les jeunes qui fument du chanvre indien qui se noient au fleuve Milo. Pour les autres, j'appelle les parents à veiller sur les enfants. S'ils viennent ensemble au fleuve, ou si les enfants quittent la maison pour le fleuve, les parents doivent jouer leur rôle. C'est sur place que le corps de Daouda Kondé, âgé de 28 ans, menuisier de profession, célibataire sans enfant, a regagné sa dernière demeure. On nous apprend que son mariage était prévu dans les prochains jours.